Qu'est-ce qui se passe? On te voit gris, énervé, pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, Smaïn, là, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis énervé. Pourquoi? C'est bon, The Voice. The Voice, t'es à TF1 là, l'histoire? Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. De toute façon, moi, demain, je vais chanter une petite chanson. Parce pour, que. Pour qui? Pour Ménel. Pourquoi là, tu Ménel, je l'aime trop. Je suis obligé, Smaïn. Demain, tu vas lui chanter une petite chanson demain, pour Ménel. Demain, une chanson juste pour mais toi, Ménel. Pour la taillère ou de soutien? Non, de soutien, ça va pas. Vas-y, bah, demain alors. Vas-y, demain, t'es l'émission. Partie des vidéos populaires, t'as. Je suis prêt, frère. Prêt à quoi, toi, tu veux? Bah, par la chanson, on avait dit c'était aujourd'hui. Ah ouais. T'es déter? Bien sûr, je suis déter. Vas-y, bah, vas-y. On publie que je suis chaud. Là, j'ai une voix nerveuse, le chétan. Éteignez les lumières, je prends le micro comme hier et c'est parti. L'histoire d'une sœur, une sœur au grand cœur. T'as que du survie, frère. T'as pas de voix, frère. C'est moi le vrai chanteur. C'est l'histoire d'une sœur, une sœur au grand cœur. Une sœur à polémique pour son voile islamique. Elle se nomme Emmanuel, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'origine franco-syrienne.